ça par rapport à ça. Voilà la différence. Lui, il est pas mal. Oh, il est pas mal proche. Encore un petit peu. Ça prend la patience. Beaucoup. Oui, beaucoup. Beaucoup de patience. C'est ça, bien. C'est ça, plus on manipule, plus on assèche la terre, c'est ça qui fait la craquelure. Là. C'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est une technique qui est simple, mais qui demande quand même une certaine maîtrise. Les gens, ils sentent si tu as du plaisir à faire ça, si tu... Ça transparaît, je ne sais pas comment, ni pourquoi, mais on le sent. On le sent, puis les gens le sentent, ça fait qu'ils vont... Ça, c'est pour gratter. On va mettre le colombin là-dessus. Donc, on fait comme des raies. Avec... un grattoir, si tu veux. Lui, il va faire sur ça. Et puis après, on fait des petites entailles. On va faire un dramatique. Le travailler ensemble, nous autres, c'est venu naturellement. C'est pas réfléchi, ça. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul, puis c'est souvent là qu'on a des idées baroques. Ouais. Quand on fait quelque chose comme ça, c'est comme souvent on a une idée pour quelque chose d'autre qui n'est pas fait encore, qui est juste à l'état de projet. C'est souvent en faisant ces petits trucs-là ensemble qu'on je sais pas, en jouant, parce que c'est un peu joué, là. C'est comme un petit peu du tennis. Oui. On s'envoie des idées, puis on finit par, justement, avoir une idée commune, à se rejoindre. C'est ça. Des fois, ça prend plusieurs jours. Oui, pas des semaines. Mais c'est souvent dans ce moment-là qu'on développe les idées. Oui, le degré de difficulté, elle nous aide à... Ça va être plus créatif. Oui, chaque morceau est le résultat de deux personnes. C'est pas juste... Des fois, c'est un qui a l'idée première, mais l'idée se développe avec le lendemain, l'autre arrive avec quelque chose qui s'ajoute.
là, dans la journée, il y a quelque chose d'autre que l'autre ajoute, et ainsi de suite. Et puis des fois, comme disait Louis-Georges, la technicalité de l'affaire fait que tu es obligé de changer complètement d'idée, puis tu vois en le faisant, puis là aussi c'est à deux que ça se passe. Comprenez les petits poètes. Les petits. On est plus gros bout. Oui. Tiens, tu les as pas connus. Ça peut être là ici, à côté de moi. Là, je vais laisser baisser. OK. Est-ce qu'on a fait? Oui. Parce que oui, parce qu'elle n'est pas trop grosse. C'est bien organique, là. Oui, c'est différentes grosseurs. Une énorme. Énorme. Est resté c'est très énorme, vu la technique. Est resté des mois. Des mois. Regarde. Parce que nous autres, notre trip, c'est plus de révéler la matière, ce qu'elle est. Tu sais, c'est vraiment c'est la matière qui nous intéresse. C'est de la domestiquer pour pouvoir la révéler dans le maximum de ce qu'elle peut comme nous offrir. C'est un petit peu ça. En fait, c'est là qu'on fait comme un petit genre de bifurcation. Là, on prend un sentier de côté. Puis après ça, tu reviens faire tes trucs qui sont plus... comment je pourrais dire ça? Plus utilitaires, mais avec... Oui. Une fantaisie qui est comme accrue un peu, tu sais, ça devient, on veut que l'utilitaire devienne comme un peu de l'objet d'art, tu sais. Il est beau l'été. Il est super beau. C'est super. Ça, il faut faire deux cuissons. Oui, regarde. Je me demande la ligne, là, on la voit pas, mais regarde, on voit un peu de verre. J'ai vraiment juxtaposé, mais juste la ligne, là. Puis... Ouais. On le voit parce que t'as le reflet. Oui, oui, je le sens, mais pas partout en plus. Non. C'est toujours le moment magique quand on le voit.